La journée de demain n'est pas seulement celle de la présentation de la réforme des retraites, c'est aussi celle du vote solennel à l'Assemblée nationale du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Simplifier les procédures, mettre davantage d'éoliennes à terre et en mer et plus de panneaux solaires sur le territoire, c'est l'objectif celui fixé par Emmanuel Macron est le suivant horizon 2050 multiplié par 10 la capacité de production d'énergie solaire et déployer 50 parcs éoliens en mer, il n'y en a qu'un actuellement au large de Saint-Nazaire, d'autres sont en projet. Pour accélérer l'examen des dossiers et les travaux pourrait être invoquée la raison impérative d'intérêt Public majeur. Une fois le cadre fixé, quand on entre dans les détails, ce texte est très technique et complexe. On va essayer d'y voir plus clair avec le député Renaissance, la majorité présidentielle, rapporteur de ce texte. Bonjour Pierre Cazeneuve. Bonjour, merci Dé beaucoup. Député des Hauts-de-Seine, membre de la Commission du développement durable, les auditeurs de France Inter peuvent composer le 01 45 24 7000 ou utiliser l'appli France Inter pour vous interroger. Les grands repères, vote solennel donc demain. entrer en vigueur, idéalement, quand pour ce texte Oh, alors, après le, après le vote solennel de demain, oui. euh, s'il est bien sûr euh, validé, il y oui. aura une commission mixte paritaire. donc, sept oui. sénateurs et sept députés se rejoignent et essaient de tomber d'accord sur une version du texte qui, à nouveau, sera votée dans chacune des assemblées. Et donc, du coup, on peut espérer... Euh, allez, on va dire, si tout se passe bien et que tout est voté euh, fin février euh, pour... Euh, voilà pour l'adoption de la loi en tant que telle et, et du coup, ensuite sa mise en vigueur euh, progressive. alors, parallèlement, il y a les débats euh, sur la réforme des retraites qui vont prendre... c'est déjà le cas, d'ailleurs, leur le essor. Est-ce que ce calendrier vous complique le travail à vous qui essayez de convaincre en particulier vos collègues euh, verts et socialistes d'adopter ce texte Est-ce que vous dites Oulala, là là, le calendrier est compliqué il y a des calendriers qui auraient pu être plus simples. Bon. Mais voilà, après, il faut aussi faire avec l'actualité. Ça fait partie du jeu. Après, nous, on, on tient, et je le répète ici, je profite d'être sur cette radio pour répéter ouais. il faut évidemment faire la part des choses. Chaque texte de loi a sa propre, a sa propre histoire, a sa propre vie, son propre but. Je pense qu'aujourd'hui, même si le sujet des retraites est très important et que ça prend une part importante de l'actualité, le sujet des énergies renouvelables et plus globalement de la transition énergétique, de la lutte contre le dérèglement climatique est aussi un sujet clé. Aussi un sujet d'avenir par ailleurs. Et donc, c'est fondamental que ce texte puisse être adopté euh, et qu'il ne soit pas pollué par un débat sur les retraites par ailleurs. On aura tout le temps qu'il faut nécessaire à l'Assemblée pour échanger longuement encore dans les semaines à venir sur les retraites. Essayons de, de finir ce débat sur les ENR. Ça s'est très bien passé en commission, ça s'est très bien passé en séance. Il y a eu des, dix jours d'examen extrêmement productifs, des centaines d'amendements adoptés pour arriver à cette version du texte. Donc, je, je suis certain que, que, que mes collègues, notamment mes collègues à gauche, sauront faire la part des choses. Bien, bien passé en commission, mais vous n'avez pas embarqué les verres, on y reviendra. Aujourd'hui, Pierre Cazeneuve, il faut en moyenne cinq ans pour sortir un parc solaire de terre, 7 pour un parc d'éoliennes, 10 pour des éoliennes en mer. Après, quand cette loi sera en vigueur, quel délai pour, pour toutes ces constructions et, et à quel horizon Vous avez tout à fait mis le doigt sur le problème. Et, et je vous entendais en parler tout à l'heure en, en introduction, mmh. un seul parc éolien en mer en France, celui de Saint-Nazaire, quand il a été... Lancé par Nicolas Sarkozy, je suis passé mon brevet des collèges. C'est juste pour donner euh, euh, une perspective vraiment de ce que c'est aujourd'hui. Nous, l'idée, c'est de diviser par deux ce temps-là. Voilà, globalement, sur l'ensemble des choses. Et pour ça, on fait. Trois choses principales. La première, c'est qu'on fait de la planification. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu. Donc là, on va planifier, c'est-à-dire qu'on va confier aux élus locaux le soin de déterminer les zones dans lesquelles il y aura ces énergies renouvelables. Et sur toute la partie maritime, pour le coup, là, on va intégrer dans ce qu'on appelle les documents stratégiques de façade les zones propices au développement de l'éolien en mer. Donc cette partie planification, c'est extrêmement important pour gagner du temps. Comme ça, on embarque dès le début, dès le début de la concertation, l'ensemble des acteurs. Alors, élus locaux, non, je, je, pardon, je vous coupe tout de suite parce que le texte est très technique. Qui aura la main pour décider des lieux d'implantation Là, vous parliez des éoliennes en mer. Euh, éoliennes en mer, éoliennes à terre, panneaux solaires, qui a la main Qui décide Les maires ou les préfets À la fin, de toute façon, c'est le préfet qui signe le, 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 la, le permis. Donc, de toute façon... Infinie à la fin, ça serait. Mais là, ce qu'on met en place avec ces fameuses zones d'accélération, c'est la possibilité pour les élus de définir des zones dans lesquelles seront implantées ces ENR et pas ailleurs. Donc, à la fois d'avoir des zones d'accélération et à la fois d'avoir des zones d'exclusion. je dis, je suis maire de ma commune, je dis, bah, écoutez, là, il y a tout ce terrain-là sur lequel on peut avoir tel type de ENR. Par contre, dans tous ces endroits-là, je n'en veux pas. Et donc, c'est comme ça. Donc, en fait, ce qu'on donc a il y a fait, une forme de veto des maires. C'est pas vraiment un veto des maires parce que cette partie exclusion. Elle, est, euh, elle ne peut exister que s'il y a une partie « inclusion ». C'est-à-dire vous pouvez avoir des zones d'exclusion... Les maires si ne le peuvent jeu. pas dire non à tout Ils ne peuvent pas dire non à tout. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on euh, qu redonne la clé du, les clés du camion aux élus locaux, ça c'est le plus important, et qu'ils puissent décider eux-mêmes de là où on promet les énergies. Parce que contrairement, on contrairement que sur... à certains partis pris, de temps en temps, quand on entend certaines personnes de l'opposition, les élus locaux ont tout à fait envie de prendre part à cette transition énergétique. Déjà parce qu'ils y croient d'un point de vue mondial, ils sont tout à fait conscients et acteurs de, de cette transition et des enjeux du dérèglement climatique. Et puis ensuite parce que c'est des formidables opportunités pour le territoire, des opportunités économiques, des opportunités aussi avec, de la rente, avec des, des, des rentrées d'argent fiscal pour eux, ça permet de développer d'autres projets. Donc les élus locaux sont. Très porteur et très demandeur aussi de l'installation. Ce qu'on qu doit on... éviter aujourd'hui, c'est l'anarchie qui a pu exister dans le développement des ENR, la surconcentration dans certains départements. Et c'est là aussi, on va jouer sur certains aspects de la modulation, parce que par exemple aujourd'hui, les développeurs, euh, je prends le cas des éoliennes parce que ça en a fait beaucoup parler, vont aller dans les zones où il y a euh, beaucoup de vent, ce qui est assez logique. Mais du coup, euh, parce qu'il y a des sujets de rentabilité. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi moduler les tarifs de rachat pour rendre attractifs d'autres régions et que du coup, eh ben, ça puisse s'étaler territoire... sur le territoire. Exactement. Pierre Cazeneuve, on est d'accord qu'on pourra pas implanter des éoliennes ou des panneaux solaires contre la volonté des élus. J'ai bien compris que zone d'exclusion, euh, euh, ils pourraient pas dire non à tout, mais on ne pourra pas implanter des éoliennes ou des panneaux contre leur volonté. Si ils ne souhaitent, euh, si ils définissent des zones d'accélération, les ENR iront dans ces zones d'accélération. Beaucoup de questions, y compris techniques au standard pour vous. Est-ce que Pierre est au standard euh, oui. Bonjour Pierre, nous vous écoutons. Voilà, alors moi ma question s'apporte sur les, la proximité des panneaux solaires. Photovoltaïque ou thermique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, par rapport aux monuments historiques. Je sais qu'il y a des restrictions euh, donc qui sont assez sévères par rapport à ça. Est-ce que ça, ces restrictions seront assouplies seront Pierre Cazeneuve. C'est un débat qu'on a eu dans l'hémicycle, donc c'est vraiment une, une question très pertinente. Ça a été un débat assez houleux. Euh, et donc, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un avis conforme des architectes des bâtiments de France pour installer. Pour faire des travaux, pour installer notamment des panneaux photovoltaïques dans un espace compris à 500 mètres, quand il y a de la covisibilité. Ça, c'est les règles actuelles. Ça, c'est les règles actuelles. Et donc, on s'est posé la question de est-ce qu'il faut abolir ces règles Parce que en fait, ce qui est très compliqué avec les architectes des bâtiments de France, c'est qu'il n'y a pas de doctrine unilatérale sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a des départements où ça se passe très oui. bien, et des départements où c'est plus compliqué et où les projets sont bloqués. Euh, donc on s'est posé la question, en commission on a adopté euh, un amendement qui justement retirait cet avis conforme. Euh, en hémicycle on a décidé de le remettre mais sous condition. Déjà on a fait évoluer la doctrine, donc on a dit maintenant dans la feuille de route des architectes du bâtiment de France, il n'y a pas que la dimension patrimoine qui rentre en jeu, il y a aussi la dimension transition énergétique. Et donc ils doivent intégrer cette, ce besoin-là pour la France de se développer énergétiquement dans leurs contraintes. Et ensuite on a demandé à la ministre de la Culture, et elle l'a réalisé, de mettre en place une doctrine une feuille de route très claire pour les ABF, justement pour éviter ces situations de blocage où globalement vous êtes à 300 mètres d'un ancien immeuble mais pas du tout en convivialité et vous êtes obligé d'attendre euh, une validation, un avis formel de l'architecte des bâtiments de France pour mettre deux panneaux solaires sur un toit que personne ne verra. Mais donc, donc puisqu'il s'agit d'alléger les règles, là, elles ne seront pas allégées. En tant que telles... On n'a pas fait sauter ce verrou-là parce qu'il y a toujours cet équilibre-là à trouver entre le patrimoine et entre le développement énergétique. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des situations de blocage dans certains départements. On veut les éviter. On pense qu'on peut le faire de manière intelligente, tout en ayant confiance en ces gens qui nous permettent de préserver euh, cette cohérence, ce bijou qui est le patrimoine français. Euh, néanmoins, il y a des situations de blocage qui sont inacceptables. Donc, on fait évoluer la doctrine. On le fait concrètement. Ça va vraiment changer les choses. On n'a pas mis, on n'a pas fait sauter le verrou en tant que tel. Voilà. Y a-t-il des départements, des zones où il y a trop Trop d'éoliennes. Paradoxalement, c'est une députée écolo qui a voté, Delphine Bateau, qui a voté un amendement qui peut retarder l'implantation. Il faut tenir compte de la puissance déjà installée sur le territoire, prévenir la saturation visuelle. Est-ce que vous dites oui Il y a des régions où il y en a trop. Et donc, ce qui correspond à ce que vous disiez il y a cinq minutes, il faut, il faut mieux répartir. Oui, je pense qu'il ne faut pas renier ce, cette chose-là. Il y a certains départements, je pense à la Somme, ouais. je pense à d'autres départements, où il y a eu cet effet de saturation. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, avec une concentration et qui est due. Et moi, je le dis, j'ai aucun problème. J'ai 27 ans. donc je, je, je ne suis pas euh, tributaire du passé, entre guillemets. Il y a eu un développement assez longtemps, assez anarchique de ces, de, de ces énergies renouvelables, où du coup, tout allait un peu au même endroit. Et donc là, du coup, ce qu'on fait avec la planification, on prend en compte, entre guillemets, un peu ce, ce taux d'effort, ce, ce qui a déjà été réalisé dans les départements. Ensuite, on fait tout ce que je vous ai dit sur les zones d'accélération oui. avec la modulation des prix, ce qui va permettre de euh, mieux répartir les, les énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire et aussi prendre en compte le fait que, bah, si dans un département où il y a énormément d'éoliennes, bah, on peut passer sur d'autres formes d'énergie parce qu'ils ont déjà contribué à tel à tel niveau, euh, passer sur de la géothermie, passer sur du euh, panneau solaire, ou en tout cas en mettre dans une autre partie du département, voilà. avoir en tout cas cette dimension vraiment de planification, prendre en compte l'existant et éviter ces phénomènes de saturation qui peuvent générer des blocages très forts des populations, alors que fondamentalement on en a besoin. Voilà. Question courte, réponse courte pour prendre d'autres auditeurs, s'il vous plaît, Pierre Cazeneuve. Euh, J'ai un nouveau parc éolien qui va s'installer chez moi en mer ou à terre. Est-ce que je paierai mon électricité moins cher Est-ce qu'on me donne cette carotte-là Non. Euh, comment réagissez-vous au fait qu'aujourd'hui les Verts ne vous suivent pas et quel changement pour les embarquer dans ce projet de loi Pour l'instant, les Verts s'apprêtent à s'abstenir. Oui, moi je vous dis, je suis vraiment très déçu et vraiment très triste de cette abstention, euh, parce que je pense que la politique a pris le pas sur l'intérêt général. Et, Alors euh... qu'est-ce qu'on fait pour les embarquer je leur pose la question. C'est-à-dire qu'on a passé des heures et des heures et des semaines à discuter, à avoir un dialogue intelligent. On a fait énormément de compromis. Ce texte a vraiment bien évolué dans le sens. On a pris des amendements structurants. Pas des arguments, pas des, pas des petites choses. On a pris vraiment des choses structurantes de la part des différents groupes, des partis socialistes, des écologistes. Et donc, je suis réellement frustré. Et dans l'incompréhension, il y a une incohérence totale entre un parti politique qui dit je veux 100% d'énergie renouvelable en 2050 et qui, quand on lui propose un texte qui accélère concrètement le développement de ces énergies renouvelables, s'apprête à ne pas voter pour. C'est complètement incohérent et je suis très franchement notamment parce que ça s'est très bien passé encore une fois pendant pendant toutes ces semaines à l'Assemblée et là ce sont vous nous dites pas ce qui pourrait évoluer pour les, pour les faire changer. Ils ont certaines demandes non. mais encore une fois fondamentalement elles sont euh, peu perceptibles. déjà elles n'ont pas forcément été exprimées euh, pendant pendant les examens. Ensuite effectivement on pouvait pas tout prendre, c'est un arbitrage, c'est aussi euh, euh, toutes les questions de d'équilibre entre les différentes demandes de chacun des groupes donc on a dû faire des choix euh, mais aujourd'hui encore une fois la demande structurante des écologistes c'était Accélérer les énergies renouvelables. On le fait Marie-Noël, vous... ne votez pas Marie-Noël au standard. Bonjour Marie-Noël. Oui, Marie Noël. oui, je, oui euh, je, je viens parfaitement dans la suite parce que je ne suis pas militante euh, écolo, mais je m'inquiète beaucoup euh, des nuisances de l'accélération pour les énergies renouvelables. La LPO en a parlé aussi, qui n'est pas politisée, la Ligue de protection des oiseaux. Et je m'inquiète parce que les éoliennes risquent de nuire à la biodiversité, les oiseaux déjà, et même la vie sous-marine. Les panneaux solaires, on parle beaucoup d'agrivoltaïsme, ça à part des terres agricoles cultivables dont nous avons besoin en ce moment pour le local, pour cultiver local. On nous dit bien qu'il y aura du pastoralisme à côté, mais est-ce est que ça va marcher On ne sait pas. Et puis aussi le, 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 le bois, on, je ne sais pas si ça a été fait ou si c'était un projet, on doit euh, installer des panneaux solaires dans des... Nombre beaucoup beaucoup d'hectares dans les Landes. Alors on va laisser Pierre Cazeneuve vous répondre. Merci beaucoup Marie-Noël pour cette question. Et, ouais, merci beaucoup euh, Madame pour, pour votre question. Il y, y en a plusieurs. Mais ce que vous dites, et ça a été tout l'enjeu je pense de ce projet de loi, c'était de trouver ce juste équilibre entre accélération des énergies renouvelables et euh, protection et préservation de l'environnement. Parce qu'on le sait, il n'y a pas d'énergie parfaite et toute construction humaine, toute activité humaine a un impact sur l'environnement. On a parlé des oiseaux et de la LPO. Une éolienne, ça tue, selon les études, entre 2 et 14 oiseaux par an, selon où c'est. Et pour vous donner un, un chiffre, il y a 1000 fois plus d'oiseaux qui sont tués par des voitures que par des éoliennes. Voilà, donc, et par des chars. Donc ouais. les oiseaux, pas le problème, non, nous dites-vous. Encore une fois, évidemment, c'est un sujet, il faut y faire attention. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est toujours trouver cet équilibre entre accélération des énergies renouvelables et protection de l'environnement. Aujourd'hui, on a un droit qui est très protecteur et c'est tant mieux. Et donc, on a essayé de le préserver au maximum. C'est ce qu'on a fait en, en excluant certaines 30 zones, secondes. Les zones protégées. Euh, par exemple, euh, dans, 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 dans la cartographie des accélérations. Donc voilà, il y a tout ce. Justement, c'est cet équilibre-là qu'on a trouvé. C'est pour ça qu'on était assez contents euh, et, et assez confiants de ce vote des écologistes. Et euh, par ailleurs, on, on va créer un observatoire de la biodiversité. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et on a priorisé, vous parlez juste des panneaux solaires et je finirai sur ça on a libéré le foncier. On a libéré un maximum d'endroits qui sont déjà artificialisés pour accélérer la mise en place des panneaux les parkings solaires. Parce notamment. Que les parkings, les, euh, les abords autoroutiers. Mais pour, toutes les ces pour les terres agricoles, il faut qu'elles soient incultes. Exactement. Et donc pour les terres agricoles, on a l'agrivoltaïsme. Et là, pour le coup, on a été extrêmement protecteurs. La règle, elle est très simple. Vous ne pouvez pas mettre de panneaux photovoltaïques au sol. Si vous en mettez dans votre exploitation, ça doit servir l'intérêt agricole de l'exploitation. Donc c'est euh, une ombrière pour les vaches, c'est sur euh, votre hangar. Donc voilà, il n'y a aucune terre agricole Qui sera transformé, artificialisé. artificialisé pour mettre du panneau solaire. Et je finis juste parce que c'est très important. Vraiment, 5 secondes. En cinq et secondes euh, grâce à un amendement, il n'y aura plus de déforestation possible pour mettre en place des panneaux solaires. C'est quelque chose aussi, un progrès de cette loi que je voulais saluer ici. Et en tout cas, il faut la voter demain parce qu'on en a besoin pour la planète et la souveraineté énergétique. On en verra France. ce que diront les députés. Merci Pierre Cazeneuve d'être venu dans les studios de France Inter.